Alors nous sommes au cimetière de Sapinta, au pied des montagnes, à la frontière de l'Ukraine. Une petite visite touristique matinale avec le soleil qui se lève, juste avant d'aller attaquer la montagne. Il a neigé ces jours-ci et la température est beaucoup plus froide, il fait moins 9 degrés. On est dans le vif du sujet. Il a bien neigé, hein. Les traces du premier groupe ont été recouvertes. On est en train de monter sans chaîne. Voilà, c'est tout frais, tout blanc. On a de la chance, il y a un très très beau soleil. Il fait presque moins 10 degrés. Tout va bien. Que du bonheur. Il y a une marche là. Ouais, ok, reçu. Motrice à gauche, il motrice à gauche, ouais, part à gauche, voilà. Bon, on va attaquer la montée. Recule encore, recule encore. Recule. Mais en fait, sa roue, elle reste bloquée là. Non, non, y a sa motrice pas, c'est tout gelé. Recule encore, recule.
Allez, c'est bon là, c'est bon. C'est bon, vas-y, viens, en 3, direct. Allez, on voit, on voit, on voit. Allez, 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 on voit, on voit. Allez, allez, coupe pas, coupe pas. Allez, tu recommences. Bienvenue en Transylvanie. C'est bon. Bon, c'est opération chaînage parce que on est bloqué dans la montée, la voiture repart pas. Il y a zéro motricité. C'est verglacé sous la neige, donc impossible de motricer. Bah, tout de suite, c'est plus difficile que de mettre les chaînes sur la roue de secours. Hein. C'est moins drôle, là. Hein. Là, fais venir la chaîne, toi, devant. C'est peut-être qu'on l'essaye de l'autre côté, en même temps. T'en chies un peu, là, hein. Hein. Ça va, les mains. Ça va. Ça va, ça va. Ah ouais, hein. Ça va un peu mieux. Ah, stop, 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 stop. T'es planté? Bah écoute, mes roues ne tombent plus. C'est le planté de Mercedes? C'est le planté de Mercedes, c'est le premier. Ah ouais, c'est con, c'est hein? Le premier, mais ça va être rare quand même, je pense. Tu t'es fait avoir là? Bah ouais, mais Roland a freiné, j'ai dû m'arrêter, donc c'est pas de ma faute. Mais c'est parce que tu vis l'échelle derrière. Faut garder tes distances. Ouais. Coquin. Bon, donc ça veut dire que Roland est planté, toi aussi? Roland n'est pas planté, moi je suis planté. Ah ouais? Bon, bah. Ouais. Action, réaction. Allez. Tout à l'heure, vous allez pouvoir mettre les chaînes. Allez, vous pouvez sortir les pelles. Hein. T'as acheté un GL en fait, là. T'es au ras du trottoir. Ouais. Mets pas trop de gaz, mets pas trop de gaz, Xavier. Ne t'enterre pas. Bon ben Roland il a les deux G étaient plantés, donc Roland il a sorti les deux G avec le treuil, sauf que maintenant va falloir faire la trace dans la neige profonde. Donc on va commencer par chaîner les deux premières voitures. Les deux Mercedes vont partir faire la trace et puis on verra si c'est nécessaire que, en fait, que le reste du groupe chaîne. En fait. Hein, on fait toute la merde pour les autres. Non mais dis donc, t'as signé, c'est pour en chier. Hein. C'est vrai. Hein, vas-y, tu vas voir, c'est pas facile. Tu vas pelleter. Plus vite, t'es sur la croûte là, c'est bon! Plus vite! Recule!
Recule. Stop, 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 c'est foutu. Il s'est enterré. Il s'est enterré. Bon, dépanneuse. Voilà. C'est bien, il commence à, ça commence à venir. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Faut que tu recules, hein. Faut reculer, mettez trois blocs. Allez, en douceur. Ah, il s'enfonce, c'est mort. Allez, dépanneuse. Bon, on abandonne la montée de ce col. Trop difficile à ouvrir. Ça fait plus de 2 heures qu'on est là et on a à peine avancé 20 mètres. Donc le plus difficile va être de repartir en marche arrière, on ne peut pas faire demi-tour. Parce que dès qu'on sort de la trace damée, on s'enfonce. Donc voilà, on va contourner et puis on va poursuivre notre aventure si nous avons d'autres cols à franchir. Pour arriver à l'hôtel. Alors nous sommes dans la région des Maramures, une région qui est assez pauvre, qui est au nord de la Roumanie, le long de l'Ukraine. Nous sommes en route pour aller visiter le monastère de Barsana. Monastère qui est tout en bois. En train de franchir notre deuxième col. Il n'y a pas beaucoup de neige, mais c'est entièrement verglacé. On est sur de la glace vive. À chaque épingle, on a la voiture qui part en glissade. On n'a pas le droit de s'arrêter, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on s'arrête, on ne repartira absolument pas. On risque de se retrouver même en cas de figure d'une voiture qui va glisser même si on appuie sur le frein.